Bonjour, ce message s'adresse à Vincent de Partager c'est sympa et à toute son équipe et à tous ceux qui aiment regarder ses vidéos. Alors, petite réaction face à toutes les vidéos de qualité que tu fais. J'ai envie de te dire, mais quand est-ce que tu vas te réveiller toi aussi? Parce que même avec la fin de ta vidéo sur l'Australie, tu dis toi-même qu'il faut se méfier de raisonner toujours dans le même paradigme. Or, c'est exactement ce que tu fais. Tu critiques le capitalisme, mais c'est pas le capitalisme qui est en cause, c'est le monétisme. C'est l'utilisation de monnaie qui fout la merde, qui fait que des dirigeants d'Australie préfèrent privilégier l'activité économique, ce qui produit des salaires, ce qui produit des taxes, ce qui produit des bénéfices, au respect de l'environnement. Donc, le capitalisme, ben, c'est une forme d'utilisation de monnaie, mais concrètement, ce qui fout la merde, c'est l'utilisation de monnaie. Et ça, je me demande quand est-ce que tu vas le comprendre. Parce que ben, tu es sensibilisé à tout un tas de choses, mais il reste toujours ce mur de croire que l'utilisation de monnaie, c'est neutre. La monnaie, ben, c'est juste un outil. Mais quand est-ce que tu vas te réveiller? Ça n'est pas qu'un outil. On a appris à l'école, bien sagement, que la monnaie, c'était un outil d'échange, mais c'est aussi et obligatoirement un outil d'exclusion. Et c'est un outil d'exclusion parce que la valeur de la monnaie est basée sur la rareté relative. Tout ça, ce sont des paramètres qu'on n'apprend pas à l'école. Parce que, évidemment, ça remettrait en cause toute la hiérarchie, tout un tas d'organisations sociétales. Et donc ça, c'est hors de question pour ceux qui font les programmes scolaires. Mais franchement, réveille-toi. Réveille-toi. Le système communiste ou capitaliste, c'est la même merde. Faire du social de l'économie solidaire, ok, c'est beau le mot solidaire et je souscris, mais au sein d'un système monétiste, c'est-à-dire qui utilise de la monnaie et où utiliser de la monnaie est plus ou moins obligatoire, c'est une vaste escroquerie. On ne peut pas être solidaire dans un système où il faut aller prendre le fric de l'autre pour faire son chiffre d'affaires. Ça n'est pas mathématiquement solvable comme problème. Donc, bah réveille-toi. Après, je comprends ton souci sur le type de discours qu'il faut tenir. Donc, discours quand c'est fun, partagé, c'est sympa au départ, beaucoup de visionnage parce que l'idée centrale, c'est le positivisme et tout ça. Donc là, il y a plein de gens qui souscrivent, qui partagent. Et dès que le discours devient un petit peu plus ben, pointeur du doigt, compliqué, avec des paramètres vraiment nombreux, bon ben on perd des spectateurs, on le sait bien. Et alors là, en plus, imaginez une société post-monétaire qui utilise ni monnaie, ni troc, ni échange. Là, je comprends que tu peux pas aller sur ce terrain, parce que c'est là, il y a plus personne qui visionne ces vidéos. Mais personnellement, réveille-toi vraiment et comprends que le souci n'est pas le système capitaliste ou communiste ou autre, c'est le système monétiste. L'utilisation de monnaie est un poison pour l'avenir de la race humaine. Voilà, t'en fais ce que tu veux et vous en faites ce que vous voulez. Au plaisir!